Bonjour à tous. D'abord, j'allais commencer par vous dire excusez-moi de cette longue absence. Mais maintenant, je vais faire une vidéo tous les week-ends. Et de temps en temps, on aura peut-être une le mercredi. Mais ce sera rare, je pense. Donc, comme c'est bientôt Halloween, nous allons faire un mug cake citrouille. Donc, dans les ingrédients, il vous faut de la levure, un œuf, une poche à douille, de l'extrait de vanille, du sucre, de la farine, du colorant alimentaire et un mug de transparent. Sauf que si vous n'avez pas de mug transparent comme moi, vous pouvez prendre un pot à confiture. Par contre, lavez-le avant. Et du beurre. Donc pour commencer, on va casser l'œuf. Puis après, vous allez mettre la farine. Et vous allez fouetter. Donc après, vous mettez le sucre. Par contre, normalement, vous mettez le sucre avant et après la farine. Après, vous ajoutez la levure, puis le beurre. Le beurre fondu, par contre. Après, vous mettez un tout petit peu d'extrait de vanille, puis vous mélangez. Donc après, pour faire du orange, vous mettez un petit peu de rouge et de jaune et de rouge. Et après, une toute petite goutte de rouge. Après, vous allez mettre ça dans le mug. Et ça part 2 minutes au micro-ondes. Pour faire la déco, il vous faut du beurre, du sucre glace et du colorant alimentaire. Et aussi, donc moi je vais prendre un feutre, mais normalement c'est du marqueur et par contre, bien sûr, ça part quand vous allez laver votre mug. Donc voilà le résultat en sortant du micro-ondes. Donc en fait, ça n'a pas du tout fait ce qu'il fallait que ça fasse. Donc c'est, on va dire que c'est raté. Donc après, vous allez faire du déco. Donc normalement, vous devez faire des yeux. Donc là, vous voyez pas trop. Et en plus, comme c'est un feutre, en fait, vous voyez rien. Normalement, avec un marqueur, ça fait vraiment joli. Si en plus vous dessinez bien, c'est mieux. Car moi, je dessine pas bien du tout. Donc après, vous faites des yeux. Et une bouche. Donc là, j'ai réessayé avec un marqueur et voilà ce que ça donne. Donc forcément, c'est beaucoup plus joli. Donc après, vous mélangez tous les ingrédients dans le bol. Donc là, vous mettez plus de jaune que de bleu. Et vous mélangez. Donc du coup j'ai fait la déco, sauf en fait j'ai complètement raté ce qu'il fallait faire. Donc en fait c'est raté. Donc du coup je vais manger ça. Mais je vais mettre du chocolat fondu à l'intérieur, dessus. Ouais, du coup j'ai déjà commencé à manger, donc je vais goûter un petit peu. Donc c'est très bon avec le chocolat, je pense que c'est vraiment meilleur. Par contre, ça fait un peu bizarre, c'est un peu dur, on va dire.